out the window, why too? If I touch you, how could I bite you? When I love you, I'll break the tie of you. I wish the best for Haiku. Boots come around and bite you. Give us something to hold on to. To the records we do, cause it's top notch and it's jammed down sound. We hold it down tight in the town, and now we worldwide, cause it's universal. Round for the ground, we can stop. Check out the avec son numéro 4, Julo qui sort de l'eau, Pierre 24, tous les trois licenciés au club de Bandol qui ont fait des résultats tout au long de la saison en Coupe PACA, en championnat PACA. Alors je vous rappelle que vous allez assister à la troisième édition du Wax Summer Sub Challenge. Compétition internationale ici à Bandol. Cette épreuve est devenue une des plus importantes de la région. Et on remercie bien entendu la ville de Bandol, Wax, PepsiCo. Redwood, Nexpa, Nail Pride, Varmatin, de se réunir au niveau du panneau officiel. Je demande à Mathieu s'il est là. Ok, je le vois. De faire ce premier briefing, j'invite les journalistes et différents médias à nous rejoindre. Sourire. Elles discutent, elles sont toujours sympas, toujours là. On remercie bien sûr la présence. On remercie bien entendu une personne qui est toujours là, qu'il vente, qu'il neige, c'est Madame Sylvie Loger, adjointe élue au sport et à la jeunesse, qui œuvre tout au long de la saison pour le sport, le dynamisme et la bonne humeur. Merci Sylvie. America. Ok,
Allez, je demande à tous les riders pour le slalom. Tous les riders pour le slalom de venir nous rejoindre pour le briefing. Je rappelle que le slalom est une nouvelle épreuve. On essaie de lancer des nouveaux concepts de course. Est-ce qu'il est là? Ok. Allez, je demande à tous les riders pour le slalom de venir nous voir. Donc, je crois qu'il y a 8 riders pour cette épreuve de slalom. On va donc faire qu'un passage. Mathieu va vous expliquer ça. Je vais laisser le mic. Alors que Lydie, une de nos championnes féminines du club, arrive tranquillement. Elle s'illustre sur toutes les courses et toutes les épreuves de surf. Toujours la bonne humeur, toujours motivée. Ainsi que Laetitia aussi, qui s'est mise à fond dans le stand-up. Et je vous le dis, elle s'entraîne. Hier, elle est partie se faire Lady Bourne, clairement. Et Sabrina aussi. Toute une équipe motivée. Et à Mimi aussi, Michel Okipenti, qui est là. Il sera sur l'eau des élites de se chauffer. De travailler leur passage de bouée. Officiel de cette première épreuve du Wax Summer Sub Challenge 2012. Je vais laisser le micro à Mathieu, qui est le responsable de course. N'hésitez pas, après le briefing, à poser toutes vos questions. Dodo, on va baisser un peu le son, merci. Bonjour à tous, merci de vous rapprocher vers la tente, s'il vous plaît. Comme ça, on vous montre les parcours. Gaëtan, si tu fais le slalom, Lulu, Did. Ça va vous échauffer. Alors, comme on n'est pas nombreux là, on avait déjà fait un slalom pour ceux qui étaient là à 6 tours par poule, avec des quarts de finale, des demi-finales, tout ça. Là, on va faire qu'un seul tour ce matin. D'accord? Donc, je vous demande, j'attends Did. C'est bon? Alors, ça va être très simple. On va faire un départ en ligne. Là, vous avez déposé vos planches pour certains. Là où il y a les lignes là-bas, on va demander aux nageurs de se décaler. Décompte, 1, 2, 3, coup de trompe, on démarre. Bouée de dégagement, c'est la première bouée jaune que vous voyez, là où il y a le petit voilier. Vous voyez la première bouée jaune? Là où il y a le petit voilier, juste en face de nous, la bouée cylindrique. On la laisse à gauche. D'accord? Ensuite, on vient taper la première bouée rouge qui est là, à gauche, complètement à gauche, la première bouée rouge des trois, là. On la laisse à gauche, on part sur la bouée verte, la première bouée verte à droite, on la laisse à droite, on revient prendre la deuxième bouée rouge, qu'on laisse à gauche, on prend la bouée verte qui est là à droite d'un lance devant les bateaux, et on vient sur la bouée orange, qu'on laisse à gauche, c'est la dernière bouée, la bouée orange, donc on vient enlacer, d'accord? Après la bouée orange, vous foncez sur la ligne d'arrivée qui est là, ok? Donc vous arrivez un peu en travers. Il y a des caddies qui s'occuperont de vos planches. Donc vous sautez de vos planches, nous on les dégagera, vous passez la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée c'est l'arche. D'accord? Donc si vous êtes au sprint en train de courir avec quelqu'un, c'est l'arche qui va vous délimiter. Ok? Ensuite, au niveau de l'arche, on va vous canaliser, il y a une feuille d'émargement à remplir, etc. On vous mettra dans l'ordre. C'est bon pour tout le monde ou pas? Pas de liche, on n'est pas en règlement fédéral, etc. Donc il n'y a pas de liche sur cette épreuve. Il y aura le liche cet après-midi pour la beach race obligatoire et seulement demain matin sur la longue distance. Ok? Toutes les autres épreuves, pas de liche. Il y a un liche pour la position. Ouais. On verra ça. C'est bon pour vous, pas au niveau du slalom, du parcours? Vous avez des questions? Guillaume, ça va? T'as l'œil du tigre? T'as déjà dit, ne te crame pas, parce que la nuit, c'est la dernière course, c'est la plus importante. Ça va bien, 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 ça va bien,
Allez, Dimitri, qui sort, qui fait ce qui sort, qui fait le Dimitri. Et voilà, première minute de ce salon.
Et maintenant, je veux un maximum de bruit derrière ailleurs pour venir accueillir notre concurrent qui va venir de nous. Au moins, il faut que vous soyez au moins 4 pour décaler la table.